Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS. Donc là, on va tester la petite démo de The Dream Office. Et donc, on va devoir restaurer un bureau. Donc, les bureaux, la bureautique, les bureaux où on travaille. On va devoir restaurer ça. Donc là, on va lancer une nouvelle partie. Ok, donc là, c'est bon, on peut y aller. Donc là, on va utiliser WASD pour se bouger. Alors, carrément. Ah ouais, c'est carrément les mêmes éléments. Ok, donc, vous voyez, ici, on est dans un système de bureau. Et je sais pas si ça vous fait rappeler un jeu. Alors, si ça vous fait rappeler le jeu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je répondrai à tous les commentaires qu'ils ont retrouvé à quel jeu ça ressemble. À savoir que c'est un jeu que j'ai mis aussi sur ma chaîne YouTube. Et on voit vraiment, vraiment, vraiment que ça ressemble à un jeu que j'ai déjà joué. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Aller à la pièce marquée. Alors, elle est là en face, donc ici. On va aller là. Alors, on va ouvrir. Hop, hop, voilà. Donc, on est arrivé sur la pièce. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? Donc là, on va avoir tout le système. Ok, d'accord. Utiliser le scan avec B. Donc là, ça m'explique tout ce que je vais devoir détruire, tout ce que je vais devoir rénover directement. Voilà, on appuie sur B pour l'enlever. On va appuyer sur Tab, normalement. La table, ça ouvre la tablette, pardon. Alors, appuyez sur Q. Voilà, pour pouvoir récupérer le petit marteau. Et on va taper. Allez, hop, c'est parti. Même les sons, c'est les mêmes. Franchement, je ne mens pas, c'est... Par contre, je vais faire un petit truc. Je pense que tous les jeux, c'est un petit problème là-dessus. Commande. Sensibilité de la souris. Moi, pour moi, c'est voilà, c'est largement mieux. La sensibilité de la souris, elle est vraiment, 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 mais vraiment trop forte. Dans des jeux comme ça. Voilà, donc là, on est bon. Un petit coup de marteau là. Un petit coup de marteau ici. Alors ça, il va falloir ramasser avec la main. Donc ici, hop. On va appuyer sur... Hop. Voilà. Voilà. Bon, on va les mettre directement dans la poubelle, bien sûr. Hop. C'est juste que... Voilà. C'est... Donc, là, nettoyage. Donc, pareil... À chaque fois, vous prenez le signe. Voilà. Voilà. Donc là, on va être sur les restaurations des murs et tout. Donc là, il va falloir prendre la truelle. Hop. Pareil au sol. Donc là, on paye directement la restauration, par contre. On paye, hop. Vous voyez, à chaque fois, je perds 10 dollars, moins 10 dollars, moins 10 dollars, moins 10 dollars. Donc là, c'est bon. Maintenant, on va passer sur le système de peinture, qui est juste ici. Donc, pareil, hop. Donc, on peut choisir aussi les couleurs. Hein. Si vous appuyez sur P, vous voyez, par exemple, si j'appuie sur P, je peux sélectionner les couleurs que je veux. Bon, là, pour l'instant, on va laisser cette couleur-là. On changera peut-être sur un autre bureau. Mais voilà, avec P, on peut changer la couleur. Chaque fois que je peins, c'est moins 12 euros. Enfin, dollars. Voilà. Donc là, c'est bon. On a fait tout ce qui est là. On est bon. On va vérifier. Alors, au niveau de ça, ça, mur et plafond. Alors, mur et plafond, il me manque un... Hein? Ah bon? Ah, là, on dirait qu'il y a un petit truc, là. La peinture. Un peu bizarre, j'ai l'impression. Alors, je vais refaire un coup. Voir si vraiment, peut-être un endroit où j'aurais un peu oublié. Ah, voilà, c'était celui-là. J'avais oublié. Donc là, on va passer sur le sol. Alors, pareil, le sol, hop, là. Pardon. Le sol, c'est le petit marteau. Là. Non, c'était pas celui-là, pardon. Le sol, il est là. Voilà, carrelage de sol. Alors, pareil, vous appuyez sur P, vous pouvez changer le carrelage.
Pour l'instant, j'ai mis le carrelage de base, mais on peut changer. Voilà. Donc là, on est bon. Maintenant, on peut ouvrir la tablette, avoir tout le mobilier. Donc je sais pas s'il me demande un mobilier spécial. Il me demande juste de modifier la pièce. Mais voilà, on peut mettre plusieurs mobiliers en fonction du bronze et tout. Donc on va regarder. Hop. Il y a quoi? Alors ici. Alors là, on a tout. Mobilier pour les toilettes. Tout ce qui est électronique, PC, chauffage, la sécurité, les accessoires, les installations, les portes et les échafaudages. L'échafaudage, c'est quand, par exemple, on veut faire quelque chose d'un peu plus haut. On va regarder si on arrive à trouver un bureau. Ouais, par exemple, un bureau dans ce style-là. Celui-là, par exemple, je ne peux pas l'acheter. Je peux acheter celui-là, mais je ne peux pas acheter celui-là. Alors, on va acheter un bureau là. Donc, on peut le tourner comme ça. On va le mettre à peu près ici, par exemple, proprement. On va éviter de le mettre dans le mur. Hein. Voilà. Donc là, on est bon. On va refaire table. On va essayer de trouver une petite chaise. Donc, celle-ci. 120. Pas tout prendre, en même temps. Bon, ça va fermer. On va prendre une chaise banale. Voilà. On va essayer de monter un PC. Donc, PC ici. On va mettre où? Un PC portable, non. On va prendre une tour. Donc là, il y a une petite tour qu'on peut prendre. Donc pareil, la tour, on pourrait la mettre. Alors souvent, on ne les met pas directement. Voilà. Utilisez le bouton Q pour ouvrir le menu outils. Ouais. Okay. Un petit écran. Alors, clavier, souris, j'ai trouvé. Une imprimante. Par contre, j'aimerais bien voir si j'ai un écran quand même. Voilà. Là, j'ai le PC. Par contre, j'ai pas l'écran. Pas d'écran. On va faire un clavier. On va le faire dans le sens. D'avoir des espaces à l'endroit, bien sûr. Une souris. Voilà. Une petite imprimante, peut-être. La petite, elle est disproportionnée, par contre, l'imprimante. Ok. Cafetière après. Non, une lampe, non. Lampe qu'on peut mettre au plafond. On va en mettre une lampe ici, pardon. Hop. Et une lampe ici. Voilà. Une horloge. L'horloge là. Voilà. Regarde un petit peu ce qu'il y a. Ah, voilà, il y a là l'écran. J'allais dire, puis je vais me retrouver sans écran. C'est pas cool. Non, il est bon. Un petit téléphone. Juste à côté. Pour répondre. Ah. Ok, quête terminée. Bon, on va regarder quand même s'il n'y a pas d'autres trucs. Voilà, ou non. Bah, pour moi, c'est à peu près bon. Donc là, on a déjà offert un petit bureau. On va faire. Voilà. Non, je vais mettre la main. Donc là, voilà, on a fait quelque chose de simple et de banal. Maintenant, on peut fermer. Hop, hop. Ouvrez la table et louer une salle. Donc là, on va ouvrir table. On va devoir louer, voilà, une salle. Donc là, on va cliquer ici. Ok. 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 Louer la chambre. Là, la chambre, elle est louée. Utiliser l'ascenseur pour terminer la journée. Alors, où es-tu? Il est là-bas. Alors ça, on pourra le casser après. Donc, on avance. Voilà, on appuie sur E. Donc là, on a fait notre journée. Voilà, donc revenu locatif 200, revenu fiscal 200. Ok, donc on est bon, on revient ici. Louer chambre 2. Alors, office 1. Office 7, toilette. Ok, d'accord. Là, on est sur là. Profil, ça c'est mon profil. Moi. Là, il faut que je regarde au niveau. Voilà. Office 2. Pour moi, c'est ça. Hein. 2. Je ne peux pas aller dedans. Bon. On va déjà nettoyer tout ça. Déjà. Pour éviter que ça fasse déjà trop le bordel. Ah, ça, je peux pas. Je peux le prendre à la main. Voilà.
Je vais vraiment remettre tout en ordre un petit peu, vite fait. Passer tout à la main. Ok. Ça, c'est pour la tablette. Alors, c'est tout à la main aussi. Ok, là, c'est bon. Hop, hop. Ça, c'est à la main. Hop. Ça, c'est bon. Hop. Hop, voilà. Donc là, on est bon. Ce qui est bizarre, c'est qu'on... Pourquoi c'est ressale? J'avais tout terminé. J'avais tout terminé, je suis parti dormir, tout est sale. On va reprendre la main. Hop, voilà, on va ramasser. Qu'est-ce qui est propre, hein? Ok, donc là, c'est bon. Poubelle. Allez, go, poubelle. Donc là, on referme, bien sûr. Hop. Ah, ici j'en ai une deuxième. Je sais pas si vraiment je dois faire quelque chose ici. Là il est marqué louer chambre 2. Enquête spéciale. Pour le moment j'ai pas de chambre 2. Et... Ah, ça il fallait le casser. Papier au sol. Pareil, okay. Elle est pleine. Il est marqué avec la main et là il me dit poubelle. Là. Bon. Là. Hop. Là, voilà. Là, on va reprendre la main, hop, on va... Tac. Là-dedans, hop. Donc ça, c'est la sortie. Alors, est-ce que je commence celle-là ou quoi? Parce qu'il est marqué louer une chambre 2. Mais quand je vais dans la tablette, je ne peux pas louer. Alors, je vais dans louer. On va regarder. Hop. Et... Office 5. Donc là, il est marqué chambre 2. Donc il faut que je regarde par rapport à la location de la numéro 2. Donc là, on va cliquer là. Faire bureau. Et là, ça met la 5. Donc on s'était bien. C'est bien ça là. On est bien sur le bureau. Maintenant, prêt à louer pour 200. La 5. Là, je peux pas louer la 1. On va vérifier quand même. Je fais pas de bêtises. Là, ici, on ne peut rien changer. Nombre requis. Donc, on va cliquer. Ici, par contre, on ne peut rien changer aussi. Et là, on ne peut rien changer. Donc, on va louer la chambre. Donc, pour moi, c'est ça. Notez, pour eux, c'est la deuxième chambre qu'on loue. C'est vraiment pour ça qu'ils disent. Alors, on va prendre le marteau. C'est parti, on va tout casser. Je sais pas qu'est-ce qu'on va en faire comme bureau. C'est la main. Voilà. Alors, je vais vérifier si ça. Il y a tout au marteau. Non. Là, c'est la main. On va faire une autre couleur. Voilà. Donc là, tout est propre. On est parti dans la poubelle. Donc là, pareil. On va faire le plafond, le sol et tout. On va déjà prendre ça. Hop. Un. Ok, donc là, on a fait la restauration. On va passer sur la peinture, on va changer la couleur. Donc on va mettre P et on va mettre bleu. C'est parti. Ah, les plafonds sont pas de couleur par contre. Comme dans l'autre version.
Les murs, c'est bon. Voilà. Donc là, on va passer sur le sol. Pareil, on va choisir quelque chose. Dans le... Vous voyez, il y a pas mal de choses verrouillées. Donc, on va prendre celui-là. Hein. Après, on est sur l'adhéron. Donc là. Voilà. Donc là, on est à peu près bon. Il y a même une mise à jour sur le côté marqué progression de l'arène. Donc ça vous donne un indice du jeu. On va regarder au niveau du meuble. Donc, il y aurait bien voir s'il y a moyen de prendre un autre bureau. J'ai que ça comme bureau. J'ai une armoire. Ouais, bon, on va essayer de remettre le même bureau, mais par contre, on va charger, on va mettre un peu plus de trucs. Donc là, on va faire ça, acheter. Donc, on va mettre un bureau ici, on va changer de côté. Hein, donc, un petit bureau là, voilà. Alors, nouvelle récompense débloquée, ok. Donc, on avait dit ça, on va mettre une... Ça, de l'autre côté, ici. Voilà, une grande table là. Bien envie de remettre une petite pièce comme tout à l'heure. On va refaire un comme c'est un bureau, on va refaire un petit bureau comme tout à l'heure. Juste que je vais pouvoir mettre une armoire. Alors, j'aimerais bien regarder si je peux pas mettre, mettre une étagère un peu. Hop, voilà. Conseil sur les meubles. Oh, ça, je connais puisque j'ai déjà fait. Je pareil. Donc là, on va mettre l'écran en premier qui était électronique. Donc sur l'électronique, on va mettre l'écran qui était un peu plus bas. Là. Le téléphone, bien sûr. L'imprimante, je vais pas en mettre. L'imprimante, si j'en mets une, je la mettrai sur la table. Bon, pareil pour l'horloge. Une petite cafetière là-bas. Voilà. L'imprimante, je le prends pas. On va prendre la souris. Là. On va prendre le clavier. J'ai plus assez de sous. Ok. Donc là, j'ai plus assez de sous. Je vais m'appeler, ça est terminé ou pas. À 50% l'objectif du bureau, on a 97% de propreté. Par contre, c'est bizarre parce que l'inter, je suis propre. Je vais aller vérifier aux toilettes. J'ai vu que c'était sale ici. En profiter, hop, 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 oh. Mauvais côté. Ok. Donc là, on peut par exemple augmenter. Vous voyez, par exemple, ouvrir. On peut mettre plus de pourcentage pour les nettoyages. Moins de pourcentage. Plus de pourcentage pour détection, des choses comme ça. Moi, ce que je veux, c'est nettoyer. Donc, avec le Karcher. Voilà. Voilà, donc là on est à 100%. On va aller vérifier si la poubelle est vide. Non. Voilà. Donc là on est bon. Je vais juste vérifier si ça m'a débloqué de l'argent ou pas. Non. On n'a pas débloqué d'argent. On va aller faire un dodo pour voir. C'est parti. Hop. Ok, hop. On a récupéré un peu. Moi, c'est juste la tour qu'il faut, mais elle est à 200. Donc, pour le moment, j'ai pas de tour. On va laisser la pièce un peu comme ça. Je vais juste essayer de trouver... Parce que si je la mets au niveau un peu plus important... J'arrive à avoir 1000 dollars.
Donc il faut vraiment que j'arrive à monter. Alors, est-ce que dans la sécurité, on peut mettre des petits trucs, hein, une alarme incendie, ça fait monter. Non, j'ai pas besoin. Ça, j'ai pas besoin des deux. Accessoirement, une poubelle, ce serait peut-être pas mal. Hein. Ah. Un livre, de là, hein. Mettre sur l'étagère. Et appuyer sur le Q pour l'outil. Ben ça je sais. Hein. C'est ce qui ouvre mes outils. Cisaille, par contre. Ça un peu rien. Ça c'est quoi? Ah ça c'est pour le ventre. Ça c'est pour vendre des trucs. Genre je vais aller dans un. Là par contre il salit bien. Genre je vais aller dans un truc, je vais pouvoir vendre. Pas obligé de tout casser, mais ça c'est vraiment. On a la possibilité de vendre. Numériser les tâches restantes, appuyer sur B. Et donc là, tout ça aussi, il faut le faire. Wow. Là, c'est terminé. Donc, à peut-être là. Je suis pas sûr de pouvoir tout faire avec l'argent qui me reste. On va essayer, on verra bien, mais j'ai un doute. Hein. Alors, hop, hop. Peux le faire. Ça m'enlève 10 dollars à chaque fois. Quand même un petit peu plus propre. Voilà, tout est en vert, donc on va pas le faire. Je vais regarder au niveau du sol, voir si on peut faire quelque chose. Restauration. Bien, bien finir complet. Alors, vous voyez que là, je suis à moins 600. Moins 700. Automatiquement, si je veux restaurer quand même, ça marche. Mais que si je restaure. Si je veux acheter quelque chose, par contre, ça ne marche pas. Après, le but, voilà, c'est de restaurer les bureaux au maximum. Voilà, alors on va juste regarder un petit peu la spatule. Voilà, j'avais pas fait. Et après, on va faire tous les plafonds. On va faire la peinture. Niveau 4, on est passé, on a 10 points de plus. Voilà, je peux pas faire en face parce que c'est dans la pièce directement, elle est verrouillée. Après, je pense qu'au niveau de la démo, ils ont verrouillé des pièces, c'est logique. Peindre le plafond complet, après peindre les murs. Le sol, je l'ai fait, donc c'est bon.
Je suis à moins 1000. Voilà, donc là on est bon. Maintenant, on va juste faire la peinture. Alors, comme j'ai dit, au niveau des plafonds, il n'y a pas trop de couleurs. Donc, on peut mettre directement. Et après, on verra par rapport au niveau des murs. Là, je pense que sinon, ça va me peindre en bleu. Je ne me trompe pas. Je suis à moins 2030. C'est bizarre le son. Il restera plus que les murs après. Ok, j'avais oublié avec la spatule ici. Bon, vraiment, hop, je reprends la spatule, je fais là. Alors là, on va prendre le pinceau. Donc ici, on va mettre P. Et on va choisir les couleurs. Bon, on va mettre rouge, hein, puisque de toute façon, on n'a pas 150 couleurs. Comme c'est une démo. Je sais pas si ça va faire. Oh, tu sais. Je sais pas trop si ça va faire super beau, mais ça. Peut-être que le carrelage, j'aurais peut-être pas dû mettre cette couleur-là, pardon. De plus, un carrelage blanc, ça aurait peut-être été mieux. Ok. Donc là, c'est déjà beaucoup plus propre, vous voyez. Au niveau du bureau. Ouais, je trouve que voilà, il n'y a pas assez d'argent. Peut-être parce que moi j'ai mis des trucs comme ça, un peu inutiles. Mais voilà. Au niveau de l'argent, ben, je suis limité, j'en ai plus. Vous voyez, hop, je suis tout dans le rouge, je peux rien acheter. Je pense que tout ça est aussi un peu bloqué par rapport à la démo. Ici, vous voyez qu'on a un grand bureau, c'est bloqué. Pour acheter la déverrouiller, il faut 12. Verrouiller, il faut 8000. Celle-là, pour la déverrouiller, il faut 4000, voyez. Celle-ci, bon, je l'avais déverrouillée. Donc, je pense qu'à fur et à mesure qu'on gagne de l'argent, on peut débloquer des bureaux. Et à fur et à mesure que vous débloquez des bureaux, vous allez gagner de l'argent. Ici, bon, il y a le petit local. J'ai vu qu'on peut aussi débloquer des toilettes. Les toilettes, c'était 3000 et 3000. Donc là, on a les toilettes ici et les toilettes là. Possible aussi de faire directement tous les murs. Donc ça, on aurait pu les faire vite fait en 5 minutes. Pareil, on peut mettre les murs en rouge, en bleu, peu importe. Ça, vous pouvez les restaurer de ce côté-là. Et jusqu'à chaque fois, ben voilà, ça va vous coûter d'argent. Donc au niveau de la gestion, il faut sûrement tout calculer. Là, je suis au niveau 5. Il faut vraiment bien calculer de façon à ce que vous rentrez dans les clous. À quel moment vous allez être payé pour avoir fait, par exemple, tel travail. Sinon, c'est pas pris en compte si vous le faites pas. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention à ce côté-là. Parce que si vous n'avez plus de sous, ben, il va falloir trouver de l'argent ailleurs pour pouvoir restaurer votre pièce. Donc, ici, par exemple, voilà, comme je vous ai dit, hop. Prendre ça. Au niveau du P, on a vraiment deux couleurs. Donc, on a du bleu et du rouge. Mettre le bleu. Hop. Et après, on arrêtera la vidéo. À la fin, je vous dirai quel jeu, à quoi ça ressemble, ou quel jeu. C'est le même éditeur, par contre. Après, c'est un peu du copier-coller, hein, les utilisations de
Bah, les utilisations du jeu en lui-même, hein. C'est-à-dire le pinceau, la masse. Il y a même des mots qui sont même pas traduits par rapport à la bureautique, ça c'est un peu dommage, je trouve. Donc, non, c'était pas ça. Carrelage, c'est là. On va mettre le même carrelage partout. Voilà. Donc là, voilà, on a réussi à le refaire proprement. Il y a juste peut-être, voilà, un petit papier ramassé là. Allez, vite fait. Histoire de vraiment être au propre du propre. Voilà. On va le jeter là. Hop. Bon, ça, je le ferai pas. Là. Alors, ici, vous voyez, on a refait toute cette partie-là. Donc voilà, le but, c'est d'acheter des bureaux, les rénover, sûrement les louer directement pour pouvoir regagner de l'argent. Ou peut-être des entreprises qui nous embauchent pour restaurer un bureau. Et après, ben, eux, ils l'utilisent. Alors, le jeu, à quoi ça ressemble? Enfin, quel jeu est le plus près ressemblant à celui-là? C'est Stadium Renovator. Donc, j'avais présenté sur ma chaîne, c'est un jeu où on devait rénover tout ce qui était sportif. Des stades, des terrains de basket, des terrains de foot, de la pelouse, et ainsi de suite. Et de toute façon, on le voit très bien, parce que déjà, premièrement, quand vous avez dans le menu une cisaille, vous n'allez pas avoir besoin d'une cisaille, bien sûr. Les cisailles, vous voyez, je ne vois pas trop l'intérêt, premièrement. Deuxièmement, vous voyez sur le côté où il y a marqué progression de l'arène. Au minimum, on n'est pas dans une arène, on est dans un bureau. Donc, minimum, mettre la progression du bureau. Donc, il y a des choses qui ont été reprises du jeu Stadium, qui ont été intégrées dans celui-là, mais qui n'ont pas été trop mis au goût du jour. Parce que quand on voit bien, on voit que voilà, il y a l'argent, il y a tout ce qu'il faut, mais il y a des traductions qui ne sont pas pour la bureautique. Donc là, par exemple, je fais hop, voilà. Donc là, j'ai eu pénalité de 79%. Hein, ok, et on a récupéré un peu d'argent, 200. Bon, je suis quand même à moins de 3000, donc on pourra toujours rien faire. Donc voilà pour cette petite présentation. Donc là, il n'y a pas de date pour le moment. Il faut vraiment que je teste le jeu un peu mieux par rapport à sa version finale. Voilà ce que j'étais en train de réfléchir, ce que je voulais dire. Il faut vraiment tester sa version finale pour vraiment comprendre si le jeu vaut le coup ou quoi par rapport à Stadium, par exemple. Stadium, le but, c'était vraiment de faire un terrain de basket, un terrain de foot et tout. Là, est-ce qu'au niveau bureautique, vous allez devoir faire que ça? Si maintenant, à chaque fois, vous allez avoir un bureau, rénover un bureau, c'est un peu compliqué parce que pareil, quand vous allez dans le menu, vous allez aller dans mobilier, par exemple, vous allez tout en bas, et ben vous avez du mobilier de salle de sport. Ça, c'est les tout, les chaises des salles de sport. Limite, vous avez les casiers des salles de sport. Et donc, ils ont rajouté quelques bricoles, mais voilà, je trouve pour moi, c'est pas adapté, ouais. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, partager le truc. Je vous dis ciao, ciao. C'était Jérôme FPS. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. Donc n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc si vous aimez cette chaîne, vous aurez deux vidéos à votre disponibilité, soit la vidéo droite, soit la vidéo de gauche. Mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie. Bonne journée.